Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous, on vient juste de sortir de l'ostéo. Ça va, monsieur? Franchement, il a été cool. J'avais un petit peu peur parce que, comment dire, il était hyper énervé. En même temps, vu la sieste qu'il m'a fait ce matin, ça a été un peu compliqué la séance d'ostéo pour lui parce qu'il se laissait pas faire. Mais bon, on a chanté les titounis et il a fait comme il a pu. Après, pour moi, quand il s'est occupé de moi, putain, j'ai la gueule en vrai. Quand il s'est occupé de moi, je lui ai donné une pomme, un bout de pain. Et franchement, ça l'a occupé pendant 40 minutes, donc c'était cool. Et puis voilà, il m'a tout remis en place. Franchement, c'était trop bien. J'avais fait une première ostéo pas loin de là où j'habitais. Elle me faisait pas craquer et elle m'avait rien fait. Enfin, limite, elle m'avait juste effleuré. Là, franchement, il m'a travaillé tout. Il m'a fait craquer. Il m'a tout remis en place. Il a fait de la médecine chinoise aussi dessus. C'était trop bien. Bon, et sinon, mes yeux là, ça va déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, toujours pas de maquillage pour éviter justement que ça revienne. Mais franchement, je suis trop contente. Ça va vraiment beaucoup mieux, je suis moins défigurée là. Bon, et sinon, pour revenir aux commentaires que j'ai reçus ce matin, alors déjà, ça m'a fait rigoler parce que franchement, je me suis dit, attends, quand toi tu vas à la piscine, bah t'es bien en culotte. Donc, la meuf qui me dit, je vois pas l'intérêt de se montrer en culotte, ben personne te fait chier quand tu vas à la piscine. Donc, bref. Déjà ça, et quand bien même vous avez envie de vous montrer en culotte ou en lingerie ou peu importe, c'est chacun ses choix. Du moment que vous êtes à l'aise avec vos choix, que voilà. Moi je trouve que c'est une question de comment dire, de comment on se sent, de comment on porte la lingerie, enfin ce qu'on dégage, c'est pour que ce soit vulgaire ou pas. T'as plein de nanas qui se montrent en culotte, en string, peu importe, et c'est pas du tout vulgaire. Et t'en as d'autres qui vont se montrer dans exactement la même tenue, mais avec une position différente, qui dégage quelque chose de différent. Et là, ça va faire vulgaire. Voilà. Donc moi, je me considère pas du tout comme vulgaire. Moi, je suis très à l'aise avec ça. En plus de ça, j'ai déjà fait des photos bien pires. Et là, franchement, elle était hyper soft. Et quel intérêt? Eh ben, aucun, mis à part celui de moto saucée. Je me bute au sport. Donc, je suis contente en fait d'avoir ce corps-là. Et voilà. Et bien évidemment, j'ai pas ce corps-là tout le temps quand je viens de bouffer, que j'ai pas chié, que voilà. Mais là, c'est bien ce que je disais. En plus, je le précisais, c'est quand je rentre mon ventre, que je suis en apnée, j'ai des abdos de fou. Et ben, j'en suis contente, j'en suis fière. Voilà. Donc, il fallait que je les montre. Pour celles qui m'ont demandé hier, en fait, c'est des gouttes qui sont d'habitude pour les adultes qui peuvent être données aux chiens. Alors attention, c'est spécifiquement sans alcool et c'est des tout petits dosages, contrairement à nous. Donc, moi, c'est la naturopathe qui m'a donné ça. Et je mets les gouttes dans une cuillère que je dissous avec de l'huile de sardine ou de l'huile de saumon pour qu'il lèche. Et je vous dirai si ça fonctionne, mais ça va mettre un petit peu de temps quand même à se mettre en place. C'est comme l'homéopathie ou comme les fleurs de Bac chez les humains. Il y en a chez qui ça fonctionne très bien et il y en a chez qui ça ne marche pas. Faut quand même un petit temps pour que ça se mette en place. Donc, je vous dirai. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer ma dernière commande d'Ocean's Apart. J'ai pris un set de luxe, donc un set avec un blazer, une brassière et un legging. Et je trouve vraiment
que le blazer, il est incroyable. Vous savez, ils ont sorti des nouvelles collections avec des tenues un petit peu plus citadines. Donc il y avait une combi que j'ai prise aussi, je l'ai pas encore essayé. Ils ont sorti des blazers, ils ont sorti des cargos, etc. Et franchement, je trouve la qualité incroyable. Je me disais que le blazer coûtait vraiment cher pour un blazer, mais en fait, pour l'avoir reçu, la qualité est ouf. Il est vraiment hyper doux, hyper agréable et élastique comme les leggings. Les leggings, en fait, vous avez une petite, un petit logo, enfin un petit truc cousu ici. Mais c'est surtout que dans les manches, vous avez une doublure comme ça qui va venir quand vous remontez comme ça. Moi, j'adore remonter les manches, tenir toute seule. C'est trop bien. Il est vraiment tout doux, hyper bien taillé. Je disais, il est vraiment tout doux, hyper bien taillé. La matière, c'est un peu comme les leggings, en fait. Vraiment, c'est pas du coton ou je sais pas. C'est vraiment hyper élastique, hyper... franchement, c'est trop, trop, trop bien. Je l'aime trop. Il est trop beau. Vous pouvez le garder ouvert ou fermé. Et je trouve que la coupe est trop bien. J'ai pris du S. Et du coup, j'ai repris un Gianni Pants comme ça. Donc, c'était Gianni 7 de Luc, je crois. Normalement, il y a une ficelle ici, mais je l'enlève parce que j'aime pas. Et celui-ci est vraiment top de chez top dans le sens où c'est vraiment une seconde peau. Donc, hyper élastique, hyper doux et plus léger que certains leggings. Mais par contre, pas transparent du tout. Et cette brassière qui va avec, que je trouve trop, trop belle. Par contre, j'aime pas trop les cordons. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que hop, je les passe en dessous. Et je les rentre derrière et ça se voit pas. Voilà. Et dedans, vous avez en fait un... Donc un... Comment dire ? Je disais, pour la brassière, vous avez un t-shirt comme ça. Enfin, une espèce de... Je sais pas comment expliquer. Bon, bref, je vais vous montrer. Et en dessous, vous avez un soutif. Voilà. Donc, franchement, je kiffe. Trop, trop bien. Et les cordons, du coup, vous pouvez les rentrer ou les laisser dehors. Moi, je préfère les rentrer... En dessous. Voilà. Ah, franchement, j'aime trop cet ensemble. Ça change, ça fait un petit peu plus habillé que avec des hoodies ou comme j'ai l'habitude de m'habiller, donc j'aime trop. Désolée, j'ai dû aller coucher le petit là parce qu'en plus on a les bébés nageurs à 17h30, donc s'il ne fait pas de sieste, il allait pas être dans un bon mood, donc c'était un petit peu compliqué là, fallait que je l'endorme. Je vous disais donc du coup que le blazer est vraiment trop trop bien, hyper quali. Franchement, vous savez, je vous dis toujours la vérité, moi je le trouvais cher sur le site, mais en vrai la qualité est incroyable, les finitions, enfin tout, la taille, la qualité du tissu, trop bien. Mais je trouve que là, avec le code promo qu'ils m'ont donné, ça ne vaut pas le coup puisque vous allez le payer plein pot. Autant attendre un code promo, ils vont me donner 20 ou 30% par exemple sur un article et là, ce sera plus intéressant. Par contre, le Gianni Pants, donc ce legging là qui est vraiment hyper cool, hyper doux, hyper élastique, tout ça, il est à 70€. Et avec le code promo, vous pouvez choisir deux leggings supplémentaires ou une tenue supplémentaire. Ça fait que vous payez 70€ et vous avez trois leggings ou une tenue plus un legging. Voilà. J'ai reçu cette petite commande aussi qui fait grave plaisir. J'ai pas de code promo, je vous partage juste ça parce que franchement j'adore ce qu'elle fait, c'est hyper bon. Et c'est vraiment très très pratique. Tout est emballé dans des petits emballages individuels comme ça. Donc dès que vous recevez votre commande, vous pouvez la congeler. Et franchement je trouve ça top. C'est des pâtisseries saines, sans sucre ajouté, sans beurre. Vous avez plein de choix sur le site. Elle a lancé aussi maintenant des trucs salés. Là c'est des buns savoyards. Ça, c'est ma passion, vraiment. Les petites gaufres comme ça, juste passées au grille-pain. Un régal. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je suis trop contente. Miam, miam, miam. C'est bon de manger. Miam, miam, miam. C'est... Try me, Alizé.